Bonjour, ici René Vincent Chiboula sur Alta TV. Nous sommes à Saint-Boniface, ici à Winnipeg, Manitoba, où nous sommes venus rencontrer un artiste de talent qui nous est venu de l'Afrique, mais qui s'est installé maintenant ici, Xavier Mouchipaï. Vous aurez l'occasion de le découvrir maintenant. Nous sommes ici à la galerie d'art. C'était un ancien, l'ex-hôtel de ville de Winnipeg. Et maintenant, il y a une galerie d'art là-bas, il y a une association qu'on appelle Maison d'artistes visuels. Et nous sommes venus pour voir un peu ce qui se passe ici et nous allons devoir rencontrer l'artiste. Et voilà justement qui arrive, on va vous l'introduire déjà. Bonjour Xavier. Bonjour. Ça fait un plaisir de vous rencontrer ici. Moi également, merci beaucoup. L'exposition a commencé quand? L'exposition a débuté le 19. C'est 19, le 9 il y avait vernissage, le 29 juillet, c'est la fin. Ah, donc ça finit, c'est pratiquement comme 3 semaines en vie. Voilà, c'est 3 semaines. Okay. Et puis comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que vous avez payé pour exposer ici? Non, on n'a pas payé. C'est une exposition, d'abord la galerie, la maison des artistes visuels aide. Ils aident des artistes à évoluer, à pouvoir s'exprimer. C'est une exposition, on n'a pas payé, c'est une exposition des groupes, on n'a pas payé. Ah ok, mais ça c'est une bonne chose. Donc on va aller comme ça, tu nous fais voir un peu ce que vous allez présenter à nos publics. Ok. Je réponds au nom de Xavier Mouchipaï, artiste peintre. Je suis plus dans la peinture, je fais du réalisme, de l'abstraction, du collage. Notamment il y a des œuvres en collage. Donc je suis à Winnipeg, présentement ça fait 8 mois, je suis là depuis décembre quand il y avait l'hiver, donc ça fait 8 mois que je suis là. Winnipeg, c'est une ville qui se trouve dans Manitoba. Winnipeg, c'est à l'intérieur de Manitoba. Donc, là, je vous présente une œuvre. Dans l'œuvre, on peut voir des enfants, un qui est jeune et l'autre qui est assez adulte. Le thème de l'œuvre, c'est l'innocence. C'est un tableau que j'ai réalisé avec l'huile. C'est du réalisme. Donc c'est un tableau qui m'a pris exactement 5 à 6 jours, presque une semaine de réalisation. Et de l'autre côté, il y a un tableau que j'ai réalisé avec un stylo. Je pense que c'est la personne, on peut la reconnaître. C'est bien Bob Marley. Donc c'est représenté, c'est juste fait avec un stylo bleu. C'est une œuvre qui m'a pris pratiquement 3 jours de réalisation. Et de l'autre côté, on a une œuvre, c'est fait avec des écorces de bananiers. Donc, il n'y a pas de la peinture, c'est pratiquement tout est naturel là. C'est une œuvre qui m'a pris 6 jours. C'est une œuvre que j'ai faite en acrylique. Le thème de l'œuvre, c'est béni. Présentement, Beni, c'est une ville qui se retrouve au Congo, en République démocratique du Congo. J'ai plus représenté ce qui se passe dans cette zone-là, dans ce pays. Là, au-dessus, vous pouvez voir, c'est une femme. Elle a une main, mais elle est enceinte, la femme. Elle est vraiment enceinte, si vous remarquez bien. Et là, en bas, c'est une jeune fille. Du coup, c'est ça même la force, c'est ça même la culture africaine, c'est ça même l'élargissement du peuple, quoi. Parce qu'une femme, c'est représente une nation. Ces masques représentent l'homme, en quelque sorte. Donc, avec tout ce qui se passe, il y a des femmes enceintes qui meurent, il y a la fille qui doit prendre la place de la femme, qui s'inquiète, qui ne sait pas ce qui va se passer à son tour. Et là, c'est l'homme qui est comme le maître de la famille, c'est l'homme qui est comme la personne qui doit gérer tout ce qui se passe. Donc je parle plus de l'éveil de conscience par rapport à ce qui se passe. Si nous-mêmes, on ne parvient pas à prendre conscience de ce qui se passe, il y aura toujours des morts, il y aura toujours de la souffrance. C'est une œuvre qui parle plus des bénis. Nous avons vu les œuvres comme vous avez travaillé. Toutes ces œuvres, vous les avez faites ici à Winnipeg, à Manitoba, ou bien vous les avez amenées d'Afrique? La majorité, à 90%, c'est fait ici, à Manitoba, sauf l'œuvre qui est en écorce, là c'est fait en Afrique. Ah, okay. Ouais. La majorité c'est fait ici. Mmh. Mais parle-moi un peu de ton histoire. Comment est-ce que tu as pris le goût de faire l'art? Comment est-ce que c'est parti de quoi?
L'art d'abord, c'est une longue histoire. C'est depuis plus petit que j'ai commencé avec la peinture, les dessins. J'ai d'abord commencé avec les dessins au stylo. Et à fur et à mesure que je grandissais, j'aimais toujours être entouré avec des gens qui étaient dans ces domaines-là. Et j'ai côtoyé la majorité de ces personnes. C'est au fur et à mesure que j'avais ces dons-là en moi que je me suis lancé dans des formations en peinture en grandissant. Mais la plus grande force, c'est une formation personnelle. Parce que l'art, si on l'aime vraiment, il y a moyen d'évoluer aussi de soi-même. On peut s'auto-former, mais en même temps, on n'aura pas toutes les capacités, toutes les qualités. On peut toujours s'auto-former, mais être toujours prêt à recevoir des conseils, des idées, mais des idées des adultes qui sont dans ces domaines-là. Donc c'est avec ça que j'ai essayé d'évoluer jusqu'à présent. Donc, si je comprends bien, c'est beaucoup plus une manière autodidacte que vous vous êtes formé. Est-ce que vous avez fait une formation quelconque aussi ou comment? J'ai fait une formation. J'ai fait une formation pour 2 ans en art. Et après, ça m'a permis de comprendre le mélange des couleurs, comprendre comment placer, cadrer le dessin, avoir quelques règles fondamentales du dessin. Et après, c'est à travers ça que j'ai pu évoluer de moi-même. Donc, c'est un peu ça. Alors, parle-moi un peu de ton inspiration. Comment est-ce que tu t'inspires? On a vu plusieurs œuvres ici où tu as choisi des thématiques assez différentes. Mais comment est-ce que tu t'inspires? Quelle est la source de ton inspiration? La première source de mon inspiration, c'est d'abord la nature. Mm-hmm. Quand je parle de la nature, je parle présentement de Dieu, parce que Dieu, c'est ma première source d'inspiration. Mm-hmm. En regardant comment il a créé le monde, les cieux, il n'y a pas un artiste plus que lui. Dieu, c'est d'abord ma première source d'inspiration. Mm-hmm. Et après ça, il y a la nature, il y a l'histoire plus. Quand je lis beaucoup, dès qu'il y a quelque chose... La plupart des œuvres que je réalise, c'est quand je lis. Si j'essaie de lire une idée, je lis quelque chose, j'ai facilement accès à m'inspirer. Donc c'est impossible. Mais j'ai vu d'autres œuvres ici qui sont des personnalités. Ça doit certainement être des photos que tu as regardées et puis tu reproduis la photo. Mais est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des œuvres imaginaires où c'est juste dans votre tête et puis vous imaginez la chose du début à la fin? Bien sûr, bien sûr. C'est comme le tableau que j'ai parlé sur Béni. C'est une œuvre qui vient de ma tête, que je me suis inspiré. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Okay. C'est celle-là. Mais l'inspiration, même si ça vient de la tête, on peut puiser toujours les idées quelque part, ouais, d'une image. Et à travers cette image-là, l'artiste travaille cela, il ressort quelque chose. Ouais. Il y a aussi les tableaux qui parlent de la musique, cette fusion-là. Ouais. Donc, oui. À part les commandes, les portraits crachés que j'ai fait, les œuvres, comme ça, je les fais. Ouais. Mais est-ce que vous avez, depuis, parce que ça ne fait pas longtemps que vous êtes ici à Winnipeg, tu peux avancer un peu avec moi, parce que je veux qu'on soit... Tout ça là, je vais couper. Ça fait quand même un bout de temps que tu es ici à Winnipeg. Mais est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez trouvé le public ici, les gens? Est-ce qu'il y a un intérêt dans vos œuvres? Est-ce que si vous voulez comparer un peu en Afrique, à Kinshasa et ici, comment est-ce que vous voyez l'appréciation des gens qui vous entourent? Il y a beaucoup d'avantages. Il y a vraiment beaucoup d'avantages parce qu'ils connaissent la valeur de l'art. Ils connaissent la valeur de l'art. Si je peux comparer de là où je viens et ici, je dirais qu'il y a plus d'opportunités de beaucoup émerger ici en art. Là où je viens, il y a des artistes. L'Afrique a beaucoup d'artistes. Le Congo, personnellement, il y a des grands artistes. Il y a toujours moyen d'évoluer, mais le plus grand problème, c'est vivre de son art. Bien sûr que ce n'est pas facile pour beaucoup d'artistes dans le monde même. Vivre de son art, ce n'est pas trop facile. Mais ici, par contre, il y a des opportunités. Il y a vraiment des opportunités. C'est une ville qui connaît la valeur de l'art et ça m'aide à évoluer. C'est pourquoi je suis dans ce domaine. Mais parlons de cette exposition ici. Je vois que c'est un cadre assez bien spécifique. C'est une galerie d'art. Comment est-ce que vous êtes arrangé pour être ici? Est-ce qu'ils vous ont reconnu, vous êtes présenté ou comment c'est arrivé que vous puissiez exposer en ces lieux? C'est une galerie d'art francophone. Mm-hmm.
Et c'est une galerie très bien organisée, la galerie, la maison des artistes de Saint-Boniface. Pour travailler ici, je suis membre, je suis parmi les artistes, les artistes membres de la galerie. Donc je suis souvent en contact. Et il y a des activités que je fais, que j'ai dû faire, du bénévole. Et à part ça, il y a beaucoup d'activités que je fais dans ce sens-là. Je me suis fait connaître. C'est un peu ça, c'est comme ça que j'évolue avec eux. Oui. Mais ça, c'est merveilleux. Mais les jours à venir, comment vous prévoyez, quelles sont les idées que vous avez pour l'avenir, pour étendre un peu? Vous êtes au Canada, c'est un pays d'opportunités. Vous avez l'art entre vos mains. Comment est-ce que vous pensez étendre un peu ce que vous savez faire? Comment est-ce que vous pouvez l'étendre sur... on peut parler de... Parce qu'ici, vous êtes à Winnipeg, c'est quand même un enclos, c'est quand même une place assez unique aussi. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à tout le pays Canada? Moi, je pense que un artiste n'a jamais été enfermé. Un artiste, même s'il est dans une zone éloignée, s'il sait faire son travail, il y aura toujours quelqu'un qui va le remarquer, il va toujours ressortir. Par rapport à la ville, l'artiste ne se détermine pas exactement pour la ville. Il peut être une fierté d'une ville quelconque, mais par rapport à ma carrière, je commence là. Je commence là. L'avenir, il y a toujours de grandes surprises, mais je souhaite toujours de grandes ouvertures. Donc c'est un peu ça. Et puis je suis toujours ouvert à toute bonne collaboration dans ce sens-là, en étant jeune aussi. Ouais. Mais donc là, vous avez dit que vous êtes membre de cette galerie. Est-ce que faites-vous partie d'autres associations artistiques ou en dehors de cette galerie? Non, d'autres associations artistiques, non. Mais j'ai des amis. J'ai des amis avec qui on est souvent, on partage l'art, on expose aussi ensemble. Il y a Nelson Moutima et Tadès. Ce sont les deux artistes avec qui on est souvent ensemble. On fait des activités dans des écoles, donner des cours de dessin. Donc à part ça, il y a la galerie. Donc c'est un peu ça. Alors aussi, vous avez parlé tout à l'heure de portraits crachés. Avez-vous des commandes des gens, des particuliers qui viennent vous voir pour reproduire soit leurs photos, comme vous avez fait pour le Premier ministre Trudeau? Est-ce que vous faites... On a vu, il n'y a pas longtemps, on a vu une œuvre que vous avez faite pour M. Henri Lemire, qui était le directeur du conseil scolaire Centre-Nord d'Edmonton. Et est-ce que ça vous arrive souvent que vous receviez des gens qui font des commandes pour faire leurs portraits? Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, pour bien organiser cette exposition, j'ai dû arrêter avec les portraits pour au moins un mois. Donc, je suis obligé de reprendre avec ces commandes, finir. Bien sûr, je suis plus sollicité par ça, parce que ça fait partie de mon travail aussi. Est-ce que ça paye bien? Je pourrais dire oui, pour un début. Pour un début. Mais le plus important, c'est bien faire son travail. Parce que si je commence directement à voir si ça paye bien, je ne ferai pas bien mon travail. Le fait d'accepter une commande, même qui n'a pas été bien payée, mais je l'ai fait très bien, cette commande-là, c'est une voie pour moi de s'épanouir. Donc ça paye, je dirais que ça paye bien. Quelqu'un peut remarquer l'œuvre que vous avez faite et puis s'intéresser à aussi faire une commande. Ok. Exactement. Okay. Exactement. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à toutes les personnes qui nous suivent de partout? Oh oui, je vais juste souhaiter de bonnes choses et demander plus à toute personne qui peut me suivre d'être plus positif, parce que si je ne l'étais pas, je n'allais même pas organiser une exposition, et d'être courageux. Donc c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, on te souhaite toutes les bonnes chances dans cette nouvelle ville où vous venez vous installer, et que tout ce que vous allez faire puisse prospérer. Oh, merci en tout cas. Ok, madame, pouvez-vous vous présenter un peu pour notre public? Ok, je m'appelle Yvette Sonnet-Denis, je suis artiste ici au Manitoba aussi, et je siège le CA de la Maison des artistes aussi. Et quelle est votre particularité par rapport à votre tendance artistique? Moi, je fais plutôt des collages numériques à l'ordinateur. Waouh, mais c'est super ça! Ce serait intéressant qu'on voie un peu ce que vous faites.
Ça, c'est pour une autre entrevue. Hein? Oui, tout à fait. On aura une opportunité. Alors, mais ici, nous sommes dans l'exposition de Xavier Mutchipai. Comment est-ce que vous trouvez? Quelle est votre impression? Bien, moi, j'aime beaucoup le fait que les œuvres, on voit vraiment une combinaison de la culture africaine, la culture canadienne aussi. C'est vraiment intéressant de voir le métissage. Et je trouve que ici, surtout à Saint-Boniface, au Manitoba, on accueille beaucoup de nouveaux arrivants de l'Afrique française. Et puis, c'est tellement beau d'élargir notre francophonie ici au Manitoba. On apprécie beaucoup le fait que les nombres puissent augmenter à cause, et je vois ça dans l'école de mes enfants aussi. Alors, on apprécie beaucoup leur présence et je trouve que c'est important de valoriser leur travail et que la communauté soit mise à l'évidence de ça, oui. Et Xavier nous a parlé tantôt de la galerie comme étant comme un regroupement artistique. Est-ce que vous qui êtes ici un peu plus avant que Xavier, comment est-ce que s'est organisée la galerie? Comment les gens adhèrent? Est-ce que c'est une association ouverte à tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut pour faire partie ou des choses comme ça? C'est un centre d'artistes, donc ce sont les artistes qui siègent les CA et qui sont en contrôle du centre. Alors, c'est pour les artistes, par les artistes, et puis c'est vraiment pour soutenir l'artiste. Souvent, on va voir leur première exposition ici, comme ici, c'était une expo de groupe, mais c'est plus tard, peut-être que on pourrait passer à l'exposition, une exposition solo, et là, ça déclenche vraiment la carrière d'un artiste une fois que ça a été fait. Qui est cette expérience? Oui. Parlant de carrière solo, comment vous trouvez? Est-ce que Xavier peut facilement s'étendre selon ses œuvres? Est-ce que vous pensez qu'il peut émerger facilement? Moi, je crois que oui. Ses œuvres sont très réaliste et émotionnel, politique, culturel, communautaire aussi. Donc, il y a toujours de la place pour ça, surtout dans le climat politique dernièrement. Et moi, je vois aucune raison pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et mon plaisir. Là, c'est une œuvre du Premier ministre. Ce que j'aime plus dans l'œuvre, c'est plus les regards. Donc, artistiquement, c'est un grand message. Donc, c'est une œuvre qui m'a pris pratiquement une semaine et demie, presque deux, pour réaliser. C'est fait avec de l'huile, la peinture en huile. Donc, c'est un peu ça. Bref. Là, c'est une œuvre qui représente une femme avec de l'eau. Ça parle plus des changements climatiques, parce que en tant qu'Africain, ici, les saisons d'ici sont complètement différentes de celles de l'Afrique. Quand on est en été, c'est comme une fête ici, c'est comme une joie, les gens sont plus à l'extérieur. Donc c'est une œuvre qui parle un peu plus de ça, cette liberté-là, cette façon de vivre-là. Donc c'est une œuvre faite en huile. Ça m'a pris pratiquement 4 jours de réalisation. Là, c'est une œuvre réalisée en huile que je surnomme la lignée. Mon œuvre représente juste, ça parle plus de la culture africaine en même temps. Parce que si vous voyez les fonds du tableau, c'est de la musique folklorique, la musique traditionnelle. Et là devant, c'est de la musique, mais elle n'est pas purement africaine. J'ai plus joué sur la tension, la concentration qui est dans cette façon de s'exprimer. Les musiciens traditionnels s'expriment souvent avec beaucoup de calme. Ils sont très concentrés quand ils jouent cette musique-là. C'est pratiquement la même chose que j'ai vu ici avec nos Africaines qui jouent aussi au violon. La concentration, c'est presque la même chose. Du coup, j'ai fusionné pour créer une œuvre que j'ai fait en huile.
que je surnomme la lignée. Donc la lignée, c'est comme une suite.